À Bobo Plaque 1, c'est ici que vit depuis bientôt 35 ans Mama Camara. Mère de 6 enfants, c'est une femme comblée que nous avons rencontrée ce 18 mai. Et pour cause, ses enfants et elle viennent de recevoir un don du ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. J'ai perdu mon mari. Je fais la lessive pour subvenir aux besoins de ma famille. Pour la première fois, un ministre pense à nous. Merci à la ministre Anne Ouloto pour tous ses bienfaits. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant veut à travers cette caravane honorer les familles. Chaque année, le 15 mai est le jour dédié à la famille au plan international. L'on célèbre la journée internationale de la famille. Et le gouvernement, au décours de ces, saisit cette occasion pour se rendre plus proche des familles, être à leur écoute et puis essayer un tant soit peu de les soulager de leurs peines. L'église protestante méthodiste unie de Yopougon-Jesco, l'un des bénéficiaires promet à travers le responsable faire bon usage de ses dons. C'est un geste hautement apprécié et nous voulons vous charger de dire à Madame la ministre que l'église a reçu de tout cœur et de bon cœur ses dons et que cela vraiment sera transmis aux familles les plus démunies de notre société, de notre église. Ce sont une tonne de riz, 200 litres d'huile et 20 cartons de savon qui ont été distribués au cours de la caravane de la famille 2014. Elle a débuté le 17 mai dans toutes les communes du district d'Abidjan et prend fin ce 18 mai.